Puis avant de rêver de voyage, eh bien, certains doivent quand même encore passer leurs examens. La session se fait à distance dans le supérieur, pas simple pour les étudiants, pas simple non plus pour les professeurs. Juliette Pitichi a suivi un enseignant de Jean Blou Agrobiotech. Il va passer sa journée seul dans la salle d'examen et il a dû aussi adapter sa méthode d'évaluation. Vous ne le voyez pas et pourtant la salle d'attente est pleine à craquer. Vous ne le voyez pas non plus, mais il y a pourtant bien un étudiant assis face à ce professeur. Ce matin, 24 examens oraux en ligne sont prévus. Les rendez-vous s'enchaînent. On a deux salles qui sont organisées. Une première qui est une salle d'attente, un peu comme si c'était le corridor. Et on a après la salle d'examen. On va avoir un étudiant et moi-même qui sommes transférés dans cette salle d'examen pour pouvoir passer à l'oral. Bonjour. Le temps de faire quelques réglages de son. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, tu et l'examen commence. Aujourd'hui, la matière porte sur l'étude des insectes. D'habitude, les élèves apportent leur propre boîte de spécimens. Ici, on se base uniquement sur une photo. Ok, donc ici, tu me présentes un nymphalidé. Bref, on s'adapte comme on peut. Au départ, c'est évidemment surprenant, il faut s'adapter. Maintenant, voilà, les étudiants doivent s'adapter, les profs aussi. Et puis, après quelques dizaines d'examens oraux comme ça, finalement, on finit par trouver ça aussi normal. Pour l'instant, le professeur n'a pas rencontré de problèmes techniques. Mais c'est une crainte importante chez les étudiants. Quand c'est en oral, ça peut être parce que le son ne passe pas bien. Donc ça rajoute du stress parce qu'on ne comprend pas la question ou des choses comme ça. Mais les étudiants soulignent surtout un avantage. On n'a pas à se déplacer à l'université. Ce qui est un grand avantage, c'est-à-dire on peut se lever de notre lit et passer directement à l'examen. Bon, c'est pas le mieux, il faut bien sûr se préparer. Des conditions exceptionnelles que le professeur prend en compte dans sa notation. Il faut aussi tenir compte de ce stress et de ces aspects un peu particuliers. Donc, je pense que ça, je l'intègre en tous les cas dans ma manière d'évaluer. Maintenant, au niveau des questions, ça n'a pas beaucoup changé. Même si ce professeur s'habitue à ses examens 2.0, il assure, rien ne remplace la présence de ses étudiants.